Du coup, c'est la mission de ce matin. Oui. Ok, ça marche. Bonjour, bienvenue au SOC, pour Security Operations Center. Aujourd'hui, je te propose de rester un moment avec moi pour que je puisse te présenter mon métier. Là, on vient d'effectuer le changement d'équipe. Allez, viens avec moi. Je te souhaite une bonne journée. Merci. A la prochaine, bon repos. Bonjour, je suis Dovic, je suis analyste en cybersécurité au sein de l'équipe SOC, Security Operation Center, ou en français, Centre opérationnel de sécurité. Là, tu vois, on vient de relever l'équipe de nuit, parce que la surveillance des menaces de sécurité informatique, c'est 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu sais, les réseaux et serveurs de nos clients ne dorment jamais. Euh, Il ouais, y a de l'activité là, euh, qui a l'air plutôt malveillante. Mon travail dans l'équipe du SOC, c'est de mener l'enquête, comme un détective, sur des attaques informatiques euh, venant d'Internet. Je suis comme le Sherlock Holmes des temps modernes. Là, je suis en train de récupérer un maximum de données pertinentes sur l'alerte qui a été remontée par nos outils, comme une notification sur ton téléphone. Ensuite, on détermine s'il s'agit ou non d'une cyberattaque et on réagit en conséquence suivant le niveau d'alerte. Je viens juste de parler avec Nicolas. Ils ont eu un problème, donc on va se pencher là-dessus, sans perdre de temps. Ça a l'air d'être du Lock4j. Donc euh, faut encore pousser l'investigation, mais pour l'instant... Euh voilà, ça sent pas bon. Ouais, Après mon bac professionnel système électronique et numérique, qui aujourd'hui s'appelle le bac SN pour système numérique, j'ai fait un BTS, SIO, pour services informatiques aux organisations. <coughs> Suite à ce ah ouais, BTS, bon. je me suis orienté vers la sécurité, euh, donc avec Hop. une licence professionnelle ah, ASR. Va, ouais. Pour administration et sécurité des réseaux. Et pour me spécialiser un maximum, j'ai fait une école d'ingénieur avec un master expert en ingénierie informatique à IFICOM. Et donc, ça fait déjà quatre mois que je suis analyste sécurité chez IBM. Bon, pour ton premier jour, on commence bien. L'équipe précédente a détecté une menace chez un client. Donc là, on va investiguer sur cette attaque afin de déterminer s'il s'agit soit d'un pen -test, Soit d'une réelle attaque. Allez, c'est parti. Je me demande si d'autres d'autres actifs n'ont pas été touchés. Quand j'étais en BTS, je suis passé par plein de métiers différents, mais toujours dans le domaine de l'informatique. Donc au début c'était de l'administration, après c'était du développement, tout le spectre euh, informaticien entre guillemets. Euh, je suis passé un peu par toutes ces étapes avant justement de me dire bon ben là je veux faire de la sécurité. Et c'est venu après ma licence. Quand tu commences en tant qu'analyste sécurité, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu commences d'abord niveau 1, donc c'est la base. Ensuite, tu peux devenir niveau 2 ou niveau 3, donc en passant des certifications ou avec l'expérience. On a affaire du Hermetic Wiper. C'est qui donc qui est... a détecté C'est nous C'est nous. nous qui avons détecté l'équipe de ce matin. Là maintenant, je ne sais pas si c'est un pen test ou une réelle attaque. Il faut que j'en parle aux collègues. Donc généralement, on retrouve deux équipes distinctes d'un côté la Blue Team, les personnes qui vont protéger, et de l'autre la Red Team, les personnes qui vont attaquer, mais attaquer dans le but de découvrir des failles pour ensuite en parler à la Blue Team afin de résoudre les problèmes de sécurité donc liés à une faille ou autre. Alors, la Red Team, c'est les pen testers. Ce sont les personnes qui sont chargées de faire les tests d'intrusion. Donc, c'est des hackers qui travaillent pour les entreprises pour euh, trouver des failles. Pen tester, en français, ça veut dire testeur d'intrusion. Donc, euh, ce sont des gentils hackers. Bon, là, on avance bien, je pense qu'on va y arriver. Voilà, donc, on a réussi à bloquer l'attaque. Notre mission est un succès. Donc c'était pas facile, mais c'est un petit peu notre quotidien. Ah, au fait, il faut que je te présente quelqu'un. Tu vois, pour être un bon analyste de sécurité, il faut être un bon observateur. Je te présente Jiane, notre meilleure pentesteuse. C'est elle qui nous a donné du fil à retordre. Bon, je suis reparti pour de nouvelles missions. En attendant, j'espère que tu as passé un bon moment. À bientôt